Et tu les supporters du Barça, Messi pourrait terminer sa carrière de joueur à Miami, à l'Inter de Miami, en MLS. Lautaro Martinez serait chaud pour rejoindre le Barça, même si Depay aura reçu une offre avec un salaire plus supérieur de la Juventus, mais en réponse, le Barça offrirait une année supplémentaire à Depay. Et Marcel, qui a été acheté au Betis Séville, sera dans les papiers du PSG en cas d'échec de Hakimi. On apprend aussi que Xavi n'a pas. Mais concernant Emerson, le Barça souhaite le conserver et souhaite le prolonger. Mais le PSG pourrait, s'il y a une bonne offre, il pourrait accepter pour dégager des liquidités. On apprend que Xavi n'a pas été contacté pour entraîner le Barça. Concernant Depay, 3 millions, la Juventus proposera 3 millions de plus concernant son salaire, mais le Barça proposera une année en plus. Quant à Griezmann, il n'a pas aimé les critiques cette saison. Il a dit en France: je n'ai pas à me plaindre du manque de reconnaissance. J'ai gagné le respect des gens qui suivent le foot sans se rendre compte que je fais du bien partout où je passe en sélection. Tous les ballons passent par moi. Je suis libre comme je l'étais à l'Atlético, à Barcelone. Les débuts ont été compliqué et j'ai trouvé que les critiques étaient exagérées, mais en 2021, je sens que ça va de mieux quand même. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense qu'il n'est pas lucide. Il sait très bien qu'au Barça, tout se concentre sur Messi. C'est pas parce qu'il allait arriver que tout allait se concentrer sur lui. En plus, on voit bien que son jeu n'est pas fait pour le Barça qu'on croyait qu'il était fait. Il est plus fait pour des équipes en contre-attaque. Selon moi, même si on voit qu'en équipe de France avec Benzema et Mbappé, ça marche. Qu'en pensez-vous, mettez? Quant à l'équipe de France, certes, il était la tête de gondole en 2016, mais Mbappé est venu. Qu'en pensez-vous, mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.